Et pour terminer ce flash, ce portrait, celui d'un réparateur d'instruments de musique, instruments à vent. Il s'appelle Virgile, il a 25 ans. Ce jeune entrepreneur a ouvert les ateliers de Faust situés à Tourcoing. Gros plan sur un métier qui se fait rare. Signé Mathilde Espinas. C'est ici qu'il répare, entretient, cajole ses instruments à vent. Un métier rare dans lequel beaucoup ont du mal à se lancer. C'est pourtant ce qu'a fait Virgile Varroquier. Une fois son diplôme en poche, il décide de s'installer et ouvre en janvier 2012 l'atelier de Faust. Une envie de longue date. Depuis, je ne vais pas dire depuis tout petit, mais en tout cas là, depuis quelques années, c'est vraiment, vraiment super de pouvoir évoluer dans ce milieu, quoi. Vraiment. Dans cet atelier sans prétention, se succèdent les instruments. Et un par un, c'est avec ses doigts et quelques produits qu'il leur redonne une seconde jeunesse. Le bouche à oreille fonctionne et Virgile ne regrette pas cette aventure. Alors un bilan positif, d'ailleurs on est en train de s'agrandir, voilà, passer en vitrine. Et puis aussi un bilan moral qui est très 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 positif aussi parce qu'il faut être bien entouré. Et ici je suis entouré de famille et d'amis, donc c'est vraiment le top. Prochain projet, l'installation dans une nouvelle salle, plus grande, histoire de montrer que cette aventure, ce n'était pas du vent.